Yo tout le monde, c'est Monsieur Bokoli, j'espère que vous allez bien, que ça forme. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, plutôt particulière. Donc désolé pour ce cadrage qui est absolument affreux, mais en fait je veux pas vous spoil tout le setup directement. Donc voilà, on se retrouve pour une petite vidéo setup. On va direct le faire petit à petit, étape par étape. Donc voilà, il y a énormément de changements depuis le dernier. J'ai changé par exemple mon PC, déjà juste le truc le plus important, bah je l'ai changé mon PC tout simplement. En plus les gars, dans mon setup il y a une sorte de fou à raconter avec mon PC, je vous expliquerai juste après quand je vous le montrerai. Donc voilà, bien sûr, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui fait toujours super plaisir. Donc voilà, donc il y a énormément de changements les potes, on va directement commencer petit à petit. Donc voilà, on est directement chez pas. Donc ici c'est un coin un petit peu déco, on va dire un petit peu rangement, tout ça. Donc voilà, là on a ce petit coin. Donc là il y a une porte incroyable les gars, je vous jure que c'est vrai, là il y a une porte. Genre c'est un truc qui a énormément de valeur en tout cas. Je sais pas si vous connaissez le principe. Voilà, bref, là il y a mes vestes. Donc voilà, trois petites vestes. Donc là on a une petite polaire noire, un petit survêt et une petite doudoune pour quand il fait froid. Pour aller de graduation, tu vois, de quand il fait froid ou au plus froid. Bref, t'as compris les bails. Donc voilà, là t'as quoi? Là t'as un truc, je ne pas déranger. Donc ça, je mets sur la porte, ici, comme ça. Enfin, de l'autre côté, tu vois, comme ça, quand je live et tout, et bah ils savent que faut pas. Enfin, ils savent que je suis en live, quoi, tout simplement, pour éviter les bêtises, quoi, comme on dit. Là, il y a quoi? Des masques. Voilà, incroyable, les gars, vu qu'il y a, je sais pas si vous savez, en fait, il y a une pandémie qui est venue, et du coup, pour se protéger, il faut mettre des masques. Après, je sais pas si vous êtes au courant. Donc, voilà, là, il y a quoi? Là, il y a ça, les gars. Ça, c'est quoi? Là, il y a un petit chocolat, d'ailleurs. Ça, c'est bon. D'ailleurs, ma mère, elle me le carotte à chaque fois. Bref, du coup, là, on a une petite boule. Je vais vous montrer c'est quoi, parce que moi, j'aime bien les boules, tu vois. Attends, je vais vous montrer trop. Là, tu mets, ça met la lumière, et regardez là, tu vois, avec la force du côté obscur, si tu fais ça. Non, attends. Attendez, je vous montre. Voilà. Non, attends. Attendez, je vais réussir 2 secondes. Faut pas me dire que j'ai déjà cassé, frère. Et voilà. C'est bon. Du premier coup, les gars. Du coup, voilà, ça tire en lévitation. En fait, c'est la magie. Et voilà, c'est stylé. Mais je l'allume jamais. Je vous avoue qu'à chaque fois, j'oublie de l'allumer. Voilà, on va directement le reposer. Donc voilà, ça on est ici. Là, on a quoi? Un petit manga. Voilà, c'est un petit truc que j'avais acheté, une figurine. Là, on a un test négatif, un autotest. Let's go, je suis négatif. Là, on a un Rubik's Cube. Bah, moi, j'ai fait. Je sais même pas pour ce que ça fout là. Là, encore du chocolat. Là, on a un chargeur de PC. Là, on a un truc One Piece. Les gars, c'est des posters One Piece de chacun perso. Du coup, c'est trop stylé. Mais il faut tous les mettre. C'est du travail. Pour l'instant, je les ai pas encore mis. Là, là on a ça les gars. Oh, c'est pas trop bien les gars. Théo, c'est moi, je m'appelle Théo. Voilà, c'est grave bien, wesh. Ouais, je vous jure, c'est grave bien. Donc bref, là on a des livres. Qu'est-ce qu'on a là? Du coup, voilà, on a là, c'était les chairs de poule, quoi. Je t'ai dit, j'ai tout le temps les chairs de poule. Là après, je crois que ça avait pas trop changé dans la dernière vidéo. Là, on a un petit billet d'1$. Du coup, je l'ai gardé parce que c'est la dernière chose que m'a donné mon papy, tu vois. Avant de, ouais, bref, t'as compris. Et bref, il vient de tomber. Let's go. Du coup, là, t'as les t'as deux boîtes qui vont bien avec le mur, je trouvais. Petite Logitech G Pro X qui est ma souris. Vous avez un petit leak, voilà, ma souris, c'est la Logitech G Pro X. Vous verrez juste après. Une petite manette plutôt stylée, les gars. Elle va bien avec le thème et tout. Et là, ça c'est mon téléphone, c'est le Mi 9. J'aimerais bien m'acheter un. J'attends un petit peu, je vais m'acheter le Mi plus élevé. Du coup, bref, t'as compris les bails. Je crois que c'est le Mi 12 qui va bientôt sortir en mars. Normalement, je me suis renseigné. Donc voilà, je fais de la pub. Oh, Mi, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Bref, là, je rigole. En vrai, je rigole pas. Bref, du coup, là, il y a un mur qui est stylé. Un mur, je sais pas si vous connaissez aussi le principe. Là, il y a une fenêtre aussi. Là, il y a la vue de dehors. Let's go. Donc voilà, j'habite dans une jungle, frère. Il y a des arbres partout, des arbres coupés. Derrière, c'est la forêt. Donc voilà. Là, un radiateur. En fait, c'est quand il fait froid. Et bah, c'est un truc qui chauffe. Du coup, c'est. Elles sont trop bien, ces chaussettes. Les gars, je vous ai dit, ça chauffe. Quand je vous dis ça chauffe, les gars, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de chaussettes. Donc voilà, les gars, ces chaussettes, elles sont trop bien. Regardez juste l'épaisseur de ces chaussettes, les gars. C'est le meilleur truc au monde. Elles sont trop bien, ces chaussettes. Vraiment, c'est tout chaud. Là, je suis bien au chaud. Bref. Du coup, voilà. Là, on a quoi? Ensuite, je vais pas vous montrer directement le setup. Et oh, tu vois pas. J'attends. Faut mettre le suspense un petit peu. Donc voilà. Donc là, on a quoi, les gars? On a un petit sac Air Jordan. Donc voilà, c'est mon sac de course. Avec ça que je vais en cours. Voilà, incroyable, les gars. Parce que je sais pas si je suis encore scolarisé. Il y a tout le monde qui me dit, oh, t'es déscolarisé. Non, les gars, je suis scolarisé. Je vis pas sur Mars et j'ai une vie. Voilà, en vrai, tu mets ce petit sac rouge. Tu mets un petit survêt. Tu mets un petit Nike rouge ici. Et un petit pantalon, par exemple, comme ça, tout simplement, un petit pantalon blanc, je vous jure, c'est une dinguerie, ça passe crème. Donc voilà, là, du coup, dans mon armoire, il y a mes vêtements. Donc voilà, incroyable, des vêtements. Là, il y a une couverture, let's go. Donc voilà, des petits vêtements. Là, il y a dans l'autre armoire à côté, celle-là, il y a encore des vêtements, les gars, c'est incroyable, les gars. Parce qu'en fait, je suis obligé de m'habiller, parce que sinon, je suis tout nu, tu vois. Du coup, voilà, des petits vêtements, voilà, let's go. Voilà, je vous en montre en deux spies. Est-ce que je vous montre quelques outfits, en vrai? En vrai, de vrai...
Ouais, j'ai la flemme. C'est pas un défilé de mode ici, c'est pas la fête du slip, les gars. Je vais pas vous montrer des défilés de la vie, j'ai la flemme. Là, faudrait à chaque fois que j'aille devant. Bref, je change et tout, la vie, j'ai pas que ça à faire. Ok, bref. Du coup, là, il y a des boîtes, les gars. Pourquoi il y a un truc Star Wars? Je sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas pourquoi il y a Maître Yoda ici avec un sabre laser, les gars. Avec son gros sabre laser. Non, Maître Yoda devrait devoir. Non, ouais, bon. Ouais, du coup, voilà. Là, au-dessus, j'ai mis des boîtes, des trucs que j'ai reçus en mode c'est stylé, genre. Je trouve pas c'est stylé en mode. Les boîtes des trucs que j'ai et tout, je sais pas, c'est ici, on regarde de loin, ça rend crème, enfin ça passe crème, non ça rend crème, non bref, c'est stylé je trouve, moi je trouve c'est stylé, personne, moi je trouve c'est, voilà, donc là il y a un lit, là du coup, voilà, ça commence à devenir plutôt intéressant si c'est le coin, ça commence à devenir intéressant, mais toi, hop là, t'as rien vu, t'as un petit indice les gars, un petit, je vous mets l'eau à la bouche comme on dit, du coup, voilà, bref, oula, le petit poster Tokyo Ghoul, il est grave stylé, et là, t'as le trophée des 100K, voilà, ici tout simplement, là, petit poster My Hero Academia qui passe crème, donc là, t'as un lit pour dormir, en fait, c'est un truc, quand tu te poses dessus, bah, c'est confortable, après, tu peux dormir, donc voilà, là, on a une petite peluche les gars, elle est grave chou. Là, on a quoi, un pull, parce que c'est en hiver, et en hiver, bah, il fait froid, ouais, tout simplement. Là, on a un lit, du coup, voilà, en rouge et noir, ça passe crème, rouge et noir. J'avais hésité avec noir et blanc, rouge, noir, blanc, bref, non, ouais, tac, voilà, rouge, noir, blanc. Mais je suis parti sur du rouge et noir, voilà, tout simplement. Donc voilà, le lit. Là, les gars, là, je vous montre un coin grave intéressant, les gars. Là, c'est un coin au spécial, enfin, quasiment, il n'y a que des mangas. Voilà, quasiment que des mangas. Faut que je mette la lumière en vrai. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc là il y a un petit poster One Piece. Là, un petit poster One Punch Man. Et je vais vous montrer un petit peu des figurines pour ceux que ça intéresse. Les gars, parce que moi je suis un grand fan de figurines. J'adore les figurines. Mais genre, j'essaye d'encore m'en acheter, tu vois. Genre, ça va. J'ai une collection, mais elle va s'améliorer. Vous allez voir. Donc là, il y a quelques petits mangas. On a SNK, Bleach et tout. Mais ça, j'en ai pas énormément. Voilà, là on a quoi comme figurine? Là, on a une tasse Hunter x Hunter. On a une petite figurine One Piece. Là, une petite figurine Bleach. Petite figurine Sword Art Online. Là, on a une petite figurine Naruto avec Kakashi, les gars. Prendre sa tête, elle est toute basse. Bref, Kakashi qui. Par son attaque là, elle est incroyable. Là, bref, c'est incroyable. Là, une petite figurine Bleach, encore là, est un Naruto. Vu que j'en avais deux, tu vois, je les ai mis derrière comme ça en mode ça fait multiclonage et tout. Bref, t'as compris. Là, My Hero Academia, et là, on a des dragons. Voilà, tout simplement, ça c'est pas des animés, mais t'as des dragons. C'est stylé les dragons. Là, t'as quoi? Un petit tapis de souris Hunter x Hunter et que j'ai mis là, voilà, en décoration tout simplement. Voilà, là, il y a les LED. Ok, ici, on a quoi? Bah, on a de l'eau. Voilà, parce que quand j'ai soif, je bois. Donc voilà, et là on a des jus d'orange parce que parfois boire ça suffit pas, on a besoin d'énergie, tu vois. Du coup, bah là on prend des jus d'orange, et comme ça, tu vois, quand je suis sur mon PC en train de jouer et j'ai soif, hop là, je suis pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète, même si c'est à 3 pas. Mais je suis un gros flemmard, du coup, voilà. Bref, on va directement commencer le setup. Donc je vais vous le montrer dans 3 secondes. Allez, vous êtes 3, 2, 1, donc bref, vous avez rien vu, 3, 2, 1, le setup. Merde, attendez, deux secondes, attendez, du coup là c'est le setup. Combien, attendez, bref, voilà. Du coup, ça c'est mon setup, tout simplement. Donc, voilà. Ça, j'en suis plutôt fier, les potes. Petit setup, moi je vais vous montrer tout en détail ce que c'est les trucs, voilà, tout simplement. Donc, ça, on a des LED en forme de cerise, je pense, simplement. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais en mode, les gars, j'ai trop le seum. En mode, ça, c'est des LED, tu vois, un petit peu comme ça. C'est grave stylé, ma mère, elle m'avait acheté ça. Et en fait, je voulais le mettre au mur, comme ça. Je voulais mettre un gros Chibrax, ouais, en dessous du trophée. Ça aurait été trop stylé. Mais le câble, il est pas assez long. Et le câble, en plus, il se branche qu'en USB. Du coup, j'ai trop le seum. Je voulais que ça aille jusqu'à là-bas et mettre un gros Chibrax en dessous du trophée. Comme ça, sur ma cam, on aurait vu ça, mais j'ai trop le seum. Voilà, bref, on va directement débrancher ça, hein, parce que ça va nous stresser. Attendez, je vais mettre partir, je rangerai après. Donc voilà. Ah oui, aussi, les potes, pour la vidéo. En fait, là, il y a des trucs qui traînent partout et tout. Mais en fait, tu vois, c'est pas rangé. Mais je me suis dit, en fait, genre, je pourrais le ranger pour la vidéo, faire genre, je suis un mec soigné et tout, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, une vidéo setup, c'est de montrer à quoi ressemble ton setup. Mais s'il est rangé, enfin, à quoi ressemble ton setup, tu vois, quand tu fais tes vidéos et tout, dans quelle ambiance t'es. Mais s'il y a tout qui est rangé, bah, ça sert à quoi? C'est pas dans ton ambiance, tu vois, c'est pas ton setup, tu vois, voilà, t'as compris. Du coup, c'est pas exactement pareil. Et du coup, voilà, bref. Alors, ici, qu'on a quoi? On a une G Pro X, du coup, voilà, comme je vous ai dit juste avant, pendant, elle est un peu sale, faut que je la nettoie. Donc voilà, là le clavier c'est Apex Pro TKL, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé en vrai depuis la dernière fois au niveau du setup pur. Là au niveau du joystick, on a, bah, joystick, ouais, tout simplement, je sais pas, il n'y a pas de ref. Là on a casque, il y a l'Hyperis Cloud Alpha S, donc voilà, je crois que c'est lui, si c'est lui. Enfin, les gars, je me souviens plus des références, mais c'est eux, en tout cas je mettrai tous les liens dans la description, du coup n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais normalement c'est eux, mais c'est eux, ça fait longtemps que j'ai pu regarder. Et donc voilà, là...
pour la caméra, c'est une Logitech Streamcam. Là, on n'a plus qu'un écran en fait, parce que mon écran, il est ailleurs. En fait, je vous ai dit, maintenant, j'ai deux setups, vu que je vis dans deux endroits différents. Si vous voulez d'ailleurs, si vous êtes chaud, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si c'est sûr, je vous offrirai une vidéo setup aussi de mon deuxième setup. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est beaucoup moins bien. Du coup, je sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, là, il y a encore des figurines. Et les gars, là, il y a mon PC, c'est mon PC. Je vais vous montrer juste après, parce que c'est un nouveau PC. Et voilà, je vais vous montrer juste après, il ressemble à quoi, donc voilà. Donc voilà, là on va passer aux figurines, en mode je vous montre. Attends, ça bouge pas, en problème, c'est que dans ma chambre, tu vois, elle est petite, en soi, elle est pas très très grande ma chambre. Et du coup, la chaise, elle est énorme, le lit, il est juste derrière. C'est trop galère à passer, c'est trop chiant, donc voilà. Ça c'est un truc qui fait du chaud aussi, ça c'est trop bien, putain ça carré trop. Quand t'as froid et tout, tu te mets devant ça, c'est incroyable, ça te chauffe en 2 secondes. Et voilà, bref. Donc là, un petit truc comme ça, une petite figurine... en vert tout simplement. Donc voilà, petite figurine Ace. Là on a quoi? On a une petite figurine Full Metal Alchemist. Et du coup voilà, c'est grave stylé. C'est le robot là, j'ai oublié son nom. Ah c'est Alpon je crois, voilà. J'ai oublié son nom, mais je crois que c'est ça. C'est le gros robot. Et du coup voilà, elle est grave stylée la figurine. Là on a quoi? On a encore une petite figurine Bleach. Vraiment je la trouve grave stylée comme ça et tout. Enfin, voilà, Ichigo au calme. Ça c'est une figurine Ryuk dans Death Note. Donc voilà, elle est grave clean aussi. Et là encore, bah elle, je les ai mis à côté en mode c'est les deux ennemis, tu vois. Et du coup c'est stylé un peu, tu vois. Là une petite figurine Ace comme ça, elle est grave stylée. Et là une petite figurine Hisoka ici, voilà, tout simplement. Attendez, c'est moi, elle est pas droite. Ouais, voilà, là elle est droite. Je suis trop perfectionniste, ça me casse la tête. Du coup voilà, c'est grave clean avec les LED et tout derrière. Là en fait, mes LED elles traînent les gars. Je vois, je me dis ouais, je vais les faire passer là, derrière. Ensuite ça va remonter là, ça va passer tout là, ça va faire bam 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 bam. Mais j'ai trop la flemme. À chaque fois je me dis je le fais demain. Demain je le fais jamais. C'est comme me couper les cheveux. À chaque fois je me dis demain je me les coupe jamais. Donc voilà, bref. Ensuite on a quoi? On a encore des petites figurines ici. Une Fortnite, c'est précis, on a une petite figurine Demon Slayer ici, voilà, elles sont toutes petites celles-là, elles sont grave choues, donc voilà. Là on a mon écran c'est le Aorus KD25F, je crois c'est lui, ouais, normalement ça doit être lui. Bref, je mettrai les liens dans la description, de toute façon s'il y a des erreurs et que... De toute façon si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous n'avez pas écouté ce que je dis. Voilà, là une ampoule, en fait c'est un truc qui fait de la lumière, je sais pas si vous connaissez, mais c'est incroyable. Et là je peux changer les couleurs, en mode là regarde. Là par exemple je veux quoi? Je veux du violet, changement d'ambiance. Et voilà, et là aussi je peux changer. Ça marche pas, mais normalement je peux changer. Pourquoi ça marche plus? Attends frère, pourquoi ça marche plus gros? Normalement je peux changer, mais... Ah c'est bon, ça marche les gars. Donc voilà, là j'ai mis en violet, donc voilà, violet. Là on va mettre du bleu. Ah ça marche pas. Donc voilà, ça marche là les gars, j'ai réussi à mettre du violet. Attendez, remets le mode d'avant s'il te plaît frère. Attends, ouais ça marche, nouveau plus. Non, je suis bloqué en violet. Ah non, pas ça, j'imagine. Pas après tout ce que tu as fait. Ah c'est bon, j'ai remis. Et là c'est un mode grave stylé, attendez, je vous montre 2 secondes. Voilà, ça c'est le mode grave stylé. Après ça marche pas là, mes frères, elle est cassée. Ah voilà, là c'est le mode. Ouais, ça c'est le mode épileptique les gars, mon ref. Ça mon ref, tu mets ça vraiment, tu restes 5 minutes dans une pièce comme ça, je pense que tu fais un malaise. Donc, voilà, ça a marché, je remets ça là. Ah bah je vous ai oublié de montrer ce qu'il y a dans ce tiroir aussi. Ah oui, je vous ai oublié de vous montrer ce coin en fait. Donc là on a quoi? On a Creeper dans Minecraft, c'est stylé. Là on a l'heure. Incroyable. Là on a un petit dessin brocoli, c'est un pote qui l'a fait. Il est grave stylé. C'était moi avant, j'avais cette coupe avec un truc brocoli. Donc voilà, là il y a des plantes. Là on a quoi? Là on a des câbles. Là on a un coussin péteur, let's go. Là on a des trucs je sais pas. On est sympa. Là on a quoi? On a des feuilles, c'est incroyable les feuilles. Là on a des Lego Star Wars, et quand j'étais petit j'avais trop de Lego Star Wars. J'ai une boîte entière, c'est incroyable, j'étais trop fan de ça. Là on a encore ça. Bref, on va directement passer à la suite. Donc là j'ai un peu tout montré, là il y a des petites souris et tout en décoration. Mais c'est pas très intéressant vu que j'utilise plus. C'est mes anciennes souris en fait, qu'elles sont en décoration. Mais elles sont cassées la plupart. Donc voilà, il y en a même une derrière. Là mon micro c'est le Blue Yeti X. Donc voilà, et ça je vous ai un peu tout dit là ce qu'il y avait là dessus. Ah oui, mon tapis souris c'est le SteelSeries XXL. Je sais plus la rêve de celui là par. Je vous avoue, je sais plus, mais c'est un SteelSeries XXXL et je me souviens plus du nom. Donc voilà. Bref, je vais directement vous montrer mon step. Mon PC aime pas de fond d'écran, c'est la rue, frère. Ça, c'est un truc aussi d'ailleurs qui fait la lumière. Voilà, ça te fait la lumière pour ton visage, c'est grave clean pour avoir un meilleur rendu. Et voilà, du coup, on va directement passer au PC directement. Donc voilà, incroyable, les gars. On a un PC là, on a un petit ventilo, c'est plus un ventilateur pour l'été, mais je l'ai mis là, c'est pas un ventilateur pour le PC, bien évidemment. Là, les gars, le câble management, incroyable, non? Incroyable, les gars, je vous jure, j'ai pris trop de temps à faire ce câble management ici. Je vais vous montrer en haut. En haut, après, je trouve qu'il est clean le câble management. Ouais, pourquoi mes LED sont comme ça? C'est quoi ces couleurs de LED? Je jure, je savais même pas ça existe. Ces couleurs de LED, hein. Incroyable. Bref, on va les remettre comme ça. Je savais même pas ça existait. Voilà, les gars, le câble management, en vrai, il est clean, non? On est d'accord.
Une note sur 10 dans les commentaires pour le câble management, s'il vous plaît. Dites-moi, il est bon. Dites-moi, il est beau. Ok, donc voilà, là on a ce PC. Les gars, il y a une histoire de fou à raconter avec ce PC, les gars. Donc en gros, je vous explique, en fait, ce PC, c'était n'importe quoi. Donc j'assiste sur un site allemand, parce qu'en fait, c'est totalement la pénurie. Je vous montre à l'intérieur. C'est la pénurie, en fait, pour les cartes graphiques et tout. Enfin, pas la pénurie non plus, mais genre tout est en rupture de stock, tu vois. T'en as nulle part. Du coup, en fait, le truc, c'est que elles sont beaucoup plus chères, tu vois. Par exemple, si tu veux acheter une carte graphique qui normalement coûte 800 balles, là, tu vas devoir payer 1400 balles, vraiment, genre au moins, c'est abusé. Et du coup, voilà, j'ai acheté sur un site allemand. Mais en fait, le site il est sérieux un peu. Genre, bref, vous allez voir. De base, j'avais pas ce boîtier, tu vois. J'avais pris un autre boîtier grave stylé parce que de base, je voulais une vite là et trois ventilos comme ça, RGB, full RGB et tout. Pour un truc grave clean là, frère, j'ai une grille à fromage. Bref, vous allez voir. En mode, ils m'ont dit, ouais, la carte graphique elle est trop grande, elle rentre pas dedans. Regardez juste la taille de la carte graphique. Ça, c'est la carte graphique. Regardez juste l'épaisseur de la carte graphique. La carte graphique à l'unité pure actuellement, elle coûte 1400 balles. Voilà, bon, elle coûte plus de 1400 balles. Juste pour vous dire, après, je vous expliquerai les refs. Donc voilà. Et en mode, tiens, mon père, ouais, du coup, tu prends ce boîtier là. Je lui ai dit le premier boîtier que je t'ai montré. Et il a pris le premier boîtier de la liste. Sauf que le premier boîtier de la liste, c'est le boîtier le plus explosé au monde. Et du coup, j'ai une putain de grille à fromage. Encore ça va. J'aurais pu avoir pire. Mais bref, le boîtier est explosé. Mais bref, ça passe encore. Donc je vois, j'ouvre, sachant que c'est quand même un truc à... Je l'ai payé 1800 balles, hein. C'est quand même plutôt cher, hein, le boîtier. En plus, le boîtier, c'est quand même important. Après ça, tant que c'est pas la carte graphique non plus, mais bon, ça sera abusé non plus. Je pense pas qu'il aurait fait ça. Pour lui, c'est pas important, tu vois. Donc voilà, bref. Ensuite, j'ai reçu le PC. Donc de base, je devais avoir des barrettes de RAM. Donc les barrettes de RAM, en mode, c'est les deux petits trucs là. Je devais avoir des 3200 GHz. Donc en mode, c'est la fréquence de la RAM. Tu vois, plus c'est élevé, mieux c'est. Et en mode, sur le site, tu vois, il y avait même pas autre chose. Enfin si, il y avait des autres trucs, tu vois. Il y avait 3200, il y avait 3700, il y avait des autres. Bref, je me souviens plus non plus, je suis pas un dictionnaire, frérot. Mais voilà. Et c'est pas quand je les ai reçus, les gars, j'allume mon PC, je vois, c'est du 3600. Genre, ils m'ont donné des barrettes de 3600, alors j'avais sélectionné du 3200. Et du coup, j'ai eu 3600 gratos, alors que après, je regarde. Enfin, s'il y avait du 3600, mais c'était du Corsair. Celle-là, c'est pas du Corsair, c'est des Fury X, voilà. Et en mode, il y avait même pas ces barrettes de RAM sur le site. C'est-à-dire, j'ai eu des barrettes de RAM, frérot, je sais pas, elles sont sorties d'où? Elles sont même pas sur le site. Genre, gros, je sais pas, ils ont sorti d'où leurs barrettes. Mais bon, c'est du 3100, du coup, j'ai pas me plaindre parce que j'ai eu mieux. Donc voilà. Mais bon. Bref, du coup, j'ai payé 45 balles plus cher le boîtier, j'ai trop le seum parce que, en fait, ils m'ont gardé le prix du lot de boîtier et ils m'ont mis un autre boîtier. Genre, ils m'ont dit, ouais, du coup, faut que tu changes, mais ils m'ont gardé le prix de l'autre boîtier. Et du coup, j'ai trop le seum. Mais bon, vu avec les barrettes de RAM, ça a dû rentabiliser un tout petit peu, même si bon, voilà. Et après, j'ai pas me plaindre parce que le PC, les gars, je l'ai 1400 balles, sachant que la carte graphique, je vous dis, à l'unité pure, elle coûte 1400. Enfin, non, j'ai payé 1800, sachant que la carte graphique à l'unité pure, elle coûte 1400 balles. Bon, voilà. Du coup, j'ai eu un bête de prix parce que du coup, la carte graphique, elle me revenait genre à 800 balles dans le PC et c'est incroyable. Donc, voilà, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans directement. Donc, voilà, les barrettes de RAM, c'est des Fury X de 3600 à casse 17. Ça, il y a un petit water cooling deep cool. Donc, voilà, incroyable. Le boîtier, les gars, c'est une marque inconnue, frère. C'est Boostbox, personne connaît. Inconnu au bataillon, mon ref, c'est inconnu. La carte graphique, je vous dis, c'est une bête de carte graphique, c'est une 6800 XT, donc voilà, ça envoie du lourd. Je vous mets peut-être dans cet angle là. Maintenant, YouTube c'est penché, bref. C'est... Ok, donc voilà, désolé si je suis le pire cadreur au monde. Voilà, carte mère, c'est une A450, je crois, bah comme ça, ça on s'en fout. À qui ça intéresse la carte mère, mon ref? Qui ça intéresse? Mon processeur, c'est un 5600 fois de chez Ryzen. Bon, ça, c'est pas fou, il y a mieux, mais il y a pire, tu vois. C'était moi, je voulais tout mettre dans la carte graphique, du coup, j'ai mis qu'un 5600 fois. Ça équivaut quand même chez Intel un i7 9700K pour ceux qui intéresse, donc c'est plutôt pas mal. C'est même un tout petit peu mieux et ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, Ryzen, ils sont grave bons en processeur, les gars. Ça devient un rapport qualité-prix de fou. Voilà, je crois que j'ai tout ce qui est intéressant un petit peu au niveau de l'alimentation, les gars. J'ai aussi, je crois, encore une Deep Cool. J'ai une alimentation, les gars, elle est même pas modulaire. Ça veut dire si je veux tout refaire, je suis dans la D, je vais galérer. Donc voilà, je crois que j'ai tout ce qui était intéressant dans le PC, les gars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai deux TO disques durs et j'ai un SSD basique 512 Go. Le SSD, il est pas foufou, les gars. J'ai un Kingston, je sais pas quoi. Un truc basique, j'ai pas retenu les trucs pas intéressants, les gars, je vous avoue, mais si vous voulez, je mets tous les liens dans la description. Donc voilà, et en vrai, je pense on est bon, les gars. Là, j'ai dit un peu tout. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je regarde, je vous fais guetter un petit peu en tournant comme ça, en faisant la toupie Beyblade, ma chambre. Mais en vrai, tranquille, je crois j'ai tout dit. Mon ref, là, il y a un tapis. Voilà, un tapis avec des étoiles. Ah, attention. Tapis avec des étoiles. Ah, mais là, il y a ma chaise. Je vous ai pas montré ma chaise, les gars. La chaise brocoli, le plus important, les gars. Voilà, elle est toujours là, toujours vivant. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, comme on dit. Donc voilà, la petite chaise, elle est ici, carrée. Hein. Vraiment, regardez juste l'épaisseur, c'est incroyable. L'épaisseur, frère, c'est quoi ça? Ça, c'est ma main. Ça, c'est l'épaisseur. Alors qu'en plus, j'ai une grosse main.
Genre, voilà. Là, il y a quoi? Là, il y a une bague, les gars, regardez. Ça, c'est... Quand t'as français, tu fais ça. Voilà, regardez. Petite tricks de bague, les gars. Voilà, incroyable. Incroyable, les petites tricks. Moi, je suis pas habitué à le faire avec cette bague, donc voilà. Les gars, pour vous dire tellement, je suis arrivé à un niveau de se faire chier en cours. Attendez, je vais vous montrer directement. Je vais pas faire le radin, je vais vous montrer. Regardez, attendez. Voilà, j'ai sorti ma trousse, les gars, pour vous dire à quel point je suis arrivé à un niveau de se faire chier en cours. Attendez, j'enlève une bague parce que c'est impossible avec. Oh, le pire cadrage. Okay. Attendez, je vous montre, les gars. Avec le stylo, je sais faire des dingueries maintenant. Bon, là, je suis pas du tout chaud des doigts. Mais bref, donc voilà. Ça, bon, là, je suis dans une position impossible à faire. Du coup, je peux pas trop vous faire des dingueries. Mais en mode, bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. En fait, là, c'est avec le stylo. J'arrive à faire des dingueries maintenant. Tellement je me fais chier en cours à force de faire tout ça. Donc voilà. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que je suis arrivé à un point tellement élevé, les gars. De trucs inutiles, de savoir faire des trucs inutiles, que je sais faire des tricks avec un Tipex. Vous avez bien entendu, les gars. Je vous jure, je sais faire des tricks avec un Tipex. Regardez juste ça. Attendez. Et voilà, les gars, genre vraiment, genre je prends mon Tipex et te faire des tricks avec, genre c'est un truc de zinzin, genre vraiment, genre pour vous dire à quel point. Bref, et du coup là j'arrive pas trop à faire, normalement je fais mieux, mais en fait je vous explique, c'est que faut que tu te chauffes avant, c'est comme Fortnite, en fait tu peux pas faire ça direct du premier coup, et là je suis pas chaud, donc voilà, mais si vous voulez une fois je vous montrerai bien, mais là j'ai la flemme, là je vous avoue, là je dois y aller après, j'ai la flemme de me chauffer pour faire des dingueries après, et du coup voilà, j'arrive pas à faire une trousse. Donc voilà, je pense que c'est déjà la fin de cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre une petite note les gars sur, non c'est... Oh, j'ai failli tomber. Oh, j'ai tombé. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Les gars, je suis tombé là. Je suis atterri ici. Je suis tombé un tout petit peu derrière. Je suis tombé ici. J'allais crassage du crâne crânien. Je sais pas quoi. Bref, du coup, n'hésite pas à mettre une petite note du setup sur 10. Les potes dans les commentaires. Je sais pas, vous mettez sur 10. Moi, je mets 10 parce que c'est. Non, je rigole. Bon, en vrai, les gars, une petite note dans les commentaires sur 10 de mon setup. Moi, les gars, honnêtement, je m'éco bien. Honnêtement, je pense mon setup, les gars, je vais mettre un petit 9 parce que vraiment, je trouve il est vraiment bien au niveau de la déco et tout. Bah, il est personnel, tu vois. J'aime beaucoup les figurines et tout. Et 9 sur 10, tu vois, bien sûr. Hein, bah, 9 sur 20, parce que ce sera abusé. J'ai plus de deuxième écran. En fait, je sais pas si je veux un deuxième écran parce que ça rajoute de l'input lag. En fait, quand je joue, quand je fais des maps, c'est pas fou. Mais je sais pas, j'hésite s'il me prend un deuxième écran ou pas. Et cet écran, il est incroyable, les gars. Cet écran, les gars, c'est un 240 Hz, c'est à 0,5 ms, c'est une dalle IPS, c'est tout. Bref, le bordel. Et voilà, bref, je pense que c'est directement la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bien sûr, il y aura tous les liens dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement avant de partir. Et sinon, c'est déjà la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et ciao!